Dans un monde où les théâtres d'opérations en mer sont de plus en plus complexes et où les menaces sont de plus en plus fréquentes, on a toujours besoin de voir plus loin pour anticiper au maximum et agrandir le périmètre de surveillance. L'emploi du UV, Unmanned Underwater Vehicle, autrement dit des drones sous-marins, va permettre un contrôle optimisé des zones d'opération en toute discrétion et en réduisant l'exposition des bâtiments de surface et des sous-marins. Avec un avantage de taille, on préserve l'humain de certaines opérations qui peut le déléguer en toute confiance au drone tout en gardant le contrôle. En augmentant l'autonomie décisionnelle contrôlée des drones, la charge cognitive de l'opérateur est largement allégée, ce qui lui permet de se consacrer à des tâches plus critiques ou stratégiques. D'autre part, les communications sous-marines ayant de très faibles débits, accroître l'autonomie des drones est une réelle nécessité. Plus le drone va être endurant et autonome, plus le périmètre de contrôle va être élargi. Naval Group est en pole position dans le secteur, avec à la fois une connaissance historique et exhaustive des enjeux opérationnels et une proximité avec les marins indispensable pour développer ce genre de technologie. Le savoir-faire du groupe dans les torpilles lui confère également une longueur d'avance. L'approche d'innovation mise en place par Naval Group et tout son écosystème de partenaires permettent de passer rapidement d'un démonstrateur à l'industrialisation d'une capacité opérationnelle embarquée. Côté endurance, un travail collaboratif avec Aquawatt Technologies, acteur de référence dans l'univers des batteries professionnelles de haute technologie, a permis de mettre au point une solution de batterie hautement sécurisée, évolutive et modulaire. Une modularité qui lui permet de s'adapter à un vaste panel de drones. Et côté autonomie décisionnelle contrôlée, le logiciel Steris Onboard, véritable cerveau du drone déployé par la Steris Box, est à l'œuvre aux côtés de l'opérateur, quelle que soit la mission, et s'adapte à tout type de drone. L'objectif de Naval Group est d'accélérer le déploiement de ces technologies sur des drones tiers. Pour aller encore plus loin, en collaboration avec des instituts de recherche, Naval Group développe également la perception autonome des drones. En clair, des yeux pour voir mieux, plus loin et informer plus vite. Une étape qui consolide encore la collaboration humain-machine pour une capacité d'action considérablement rehaussée.